Cette première étape va me mener à Loubressac, dans le Lot, 294 km d'Alès, en passant par Chanac, Rodez, Figeac et enfin Loubressac. Figeac, situé aux portes de l'Auvergne, dans le pays Est-Quercy, traversé par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout concourt à faire de Figeac, situé à proximité de Rocamadour, un lieu de séjour incontournable. Le pays de Figeac est un pays de contraste, issu de la rencontre de l'eau et de la pierre, des vallées du Lot et du Célé, en passant par les grands plateaux calcaires du Causse et les collines boisées du Ségala. Dominé par ses tours, non loin de Figeac, Cardaillac affiche sa silhouette du haut de son éperon. Ce village-là a gardé toute la noblesse héritée de ses seigneurs. Il paraît que depuis son fort, dont les tours rondes et carrées ont été conservées, on devine l'enchevêtrement des rues qui enlacent les maisons couvertes de grès. Le Moyen-Âge refait surface, à fleur derrière chaque pierre. Mais hélas, il est très difficile. Thank you.
Le village dresse sur son promontoire son château du XVe siècle, sa chapelle du XIVe, au portail à tympan sculpté, et ses maisons coiffées de tuiles brunes. Beau village de France, incontournable de la vallée de la Dordogne. Émergeant au-dessus des arbres, les toits de Loubressac tutoient l'azur du ciel en une partition tout en demi-teinte. Un peu de brun, une touche d'ocre, un trait de miel, et là, centré comme un point d'orgue, l'ardoise du clocher de l'église des XIIe et XVIe siècles.